Salut, salut tout le monde, bienvenue, c'est l'Archangélion. On est dans la foulée du précédent épisode, donc je vous refais pas la présentation. Je pense qu'on peut aller directement sur les boosters. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils commencent déjà à faire la promotion du prochain. Le soleil est presque au zénith. C'est, je sais plus, Outland, un truc comme ça. Je me rappelle plus très bien, je sais pas s'ils en parlent. Non, bah, pour l'instant, ils en parlent pas trop. Ouais, non. Ok, bon bah écoutez. Sinon. On est parti sur les boosters. Allez, premier. Alors, on est sur pratiquement que de la carte ancienne. Hein, contraint. A tué carte d'Ymir, donc magie bleue et noire qui arrive au 5e runé qu'on connaît. Panthère taupière, carte verte qui arrive au 6e runé qu'on connaît. Contrebandier à bulle, alors celle-là, j'arrête pas d'en prendre et ça arrête pas de faire des doublons. Carte bleue qui arrive au 2e round hein, qu'on connaît très très bien. D'ailleurs, on est à combien là? 43,1%. Sacoche d'enquêteur, carte Izette qu'on connaît, qui arrive au 4e round, carte Izette donc magie bleue et rouge, suivi de chien viscéral menaçant, carte noire qu'on n'arrête pas de récupérer, qui arrive au 1er round. Ah, une nouvelle, répression mordante de la criminalité, c'est une carte verte qui arrive au 4e round, c'est un sort de rituel. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez rassembler des preuves 6. Ce sort coûte 2 de moins à lancer si vous avez rassemblé des preuves. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus de plus 0 jusqu'à la fin du tour. Elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Ok. On continue avec une carte qu'on connaissait, inspecteur du projecteur, carte bleue qui arrive au 3e round. Et enfin, on a affaire de la pulsation pourpre, carte rouge qu'on connaît et pas, qu'on connaît pas, enchantement affaire. Donc premier stade, quand cette affaire arrive sur le champ de bataille, défaussez-vous d'une carte puis piochez deux cartes. Elle est suivie de la deuxième phase de résolution, à résoudre, vous n'avez aucune carte en main. Si l'affaire n'est pas résolue, résolvez-la au début de votre étape de fin. Troisième phase de résolution, résolue au début de votre entretien, défaussez-vous de votre main, puis piochez deux cartes. Ok, voilà. Ok. Bon, on enchaîne. Bon, ben, on a que de l'ancienne. Curieuse enquête, carte bleue qu'on connaît, qui arrive au premier round. Avenue publique, terrain qu'on connaît. Ok, bon. Sortie non autorisée, carte bleue qui arrive au deuxième round qu'on connaît. Flambée, le témoin, carte rouge qui arrive au minimum au deuxième round et qu'on connaît. Enchaîné par Crocodelphe Incognito, carte sémique qui arrive au 6e round, carte sémique, magie verte et bleue. On a encore un chien viscéral menaçant, carte noire qui arrive au 1er round, hein. On commence à avoir l'habitude, 43,4% d'ouverture de coffre. Diligence raisonnable, carte blanche qui arrive au 3e round et qu'on connaît. Kilox, inventeur visionnaire, encore une carte Izette qu'on connaît et qui arrive au 7e round. Et donc évidemment, magie Izette, c'est bleu et rouge. Bon bah voilà.
Hop, on enchaîne. Et hop, donc, trois courants, deux inhabituels, deux rares, le coffre est ouvert à 46, 43,6%. Carte Golgari, et qui se transforme en garde Selenia. Donc, carte Golgari, c'est cessation. Carte donc qui arrive au deuxième round de magie, donc noire et verte, hein, normal. C'est un sort d'éphémère, exilé jusqu'à deux cartes ciblées d'un cimetière unique. Un joueur ciblé gagne 2 points de vie et pioche 2 cartes. Ok. Et dans sa deuxième possibilité, c'est mise en demeure, carte Selenia, donc cette fois-ci magie verte et blanche. Qui arrive au sixième round, c'est un sort de rituel, détruisez tous les artefacts et tous les enchantements. Est-ce qu'il y a une petite phrase? Non. Elle est suivie donc de Témoin de granit, carte Azorius. Donc magie Azorius, c'est la magie blanche et bleue qui arrive au quatrième round et qu'on connaît. Suivi de Fouineur Faerys, carte d'Ymir, cette fois-ci, donc magie bleue et noire. Qui arrive au troisième round et qu'on connaît. Nouvelle carte, Affaire du jardin piétiné. Carte verte qui arrive au troisième round. Dans sa première phase, quand cette affaire arrive sur le champ de bataille, répartissez deux marqueurs plus un entre une ou deux créatures ciblées que vous contrôlez. Deuxième phase, à résoudre, les créatures que vous contrôlez ont une force totale supérieure ou égale à 8. Si l'affaire n'est pas résolue, résolvez là au début de votre étape de fin. Troisième étape, résolue. À chaque fois que vous attaquez, mettez un marqueur plus un sur une créature attaquante ciblée. Elle acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Elle est suivie de Joker courant, donc ça nous fait 3 courants, 2 inhabituels de rares, et le coffre est ouvert à 43,6%. Jardinière inquiétante, carte verte qu'on connaît, hein, puisqu'on l'a eu lors de la session précédente. Choc, carte rouge qui arrive au premier round et qu'on connaît. Suivi de Tessa, oligarque opulente, carte Golgari, donc magie Golgari, c'est non, Azor, oh là là, c'est pas Golgari, c'est Orzhov. Carte donc de magie blanche et noire qui arrive au troisième round. C'est une créature légendaire et c'est aussi celle qui administre le clan Orzhov. Et qui va mourir. Ok. Bon bah écoutez, bien, 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 bien. Encore un. Donc cette fois-ci, on a Extrémie de la ceinture de verdure, carte verte qui arrive au quatrième round et qu'on connaît. On suit avec Agent de sans scrupules, carte noire qui arrive au deuxième round et qu'on connaît. Allez, on enchaîne avec Informatrice, carte blanche qui arrive au troisième round et qu'on connaît. Encore un Joker inhabituel, donc on a 3 courants, 3 inhabituels de rares, et le coffre est ouvert à 42,2%. On continue avec Oreille Indiscrète, l'Oxodon, carte verte qui arrive au quatrième round. Ouais, c'est ça, quatrième round. Et qu'on connaît. Derrière le masque, carte bleue qu'on connaît hein, et qui arrive au premier round. Déduire, carte bleue aussi qui arrive au deuxième round et qu'on connaît. Affaire du squelette caché, carte bleue noire qui arrive au deuxième round et qu'on connaît. Ok, bon bah écoutez, ça aurait été rapide. On garde les 4 pour la prochaine émission que je vais vous faire dans la foulée et on va sur le profil pour voir notre avancée. Ok, on est à 71%, ça commence à devenir intéressant, puisqu'on va pouvoir bientôt changer. Je vais aller jusque 80, je pense, et à 80, je change. Donc ça nous fait quand même quelques épisodes encore où il risque d'avoir pas mal de doublons.
Donc 7 en mythique, 41 en rare, 70 en inhabituel et 77 en courant. Et bah écoutez, superbe. On peut revenir sur le menu de base. Ok, c'est bien. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Allez, bye bye tout le monde. Salut.